tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment, et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Qui est donc ce scientifique, défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque, et chargé d'initier une stratégie pour, soi-disant, paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard, par les témoignages de ses anciens collaborateurs, qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? Il se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la peau. Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux États-Unis. Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles. Il y a eu une descente chez lui de la brigade de lutte contre la grande criminalité économique. Et dans sa maison, on a trouvé une malle entière de documents, dont quelques-uns avaient trait au programme de guerre chimique et biologique. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une faire copper list, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits aux poisons indétectables était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés? On ne le saura sans doute jamais. Selon vous, cette liste aurait-elle pu être utilisée à des fins de recherche scientifique? Ou bien est-ce une liste d'armes meurtrières? Assurément une liste d'armes meurtrières. Aucun intérêt pour quelque recherche que ce soit. Parmi les méthodes qu'il est présumé avoir utilisées, l'une consistait à enduire l'opercule d'une canette de bière en aluminium avec du poison. Et si vous utilisiez cet opercule, la partie qui s'enfonce dans la canette, ça activait le poison. On m'a donné un paquet de cigarettes Camel. Et on m'a demandé de déposer quelques gouttes sur les filtres des cigarettes. Et que serait-il arrivé à la personne qui aurait fumé ces cigarettes? C'est difficile à dire. Mais j'imagine que les conséquences auraient été mortelles. Ce que les témoignages de scientifiques révèlent, c'est d'abord un arsenal de gadgets mortels dignes de James Bond. Tournevis empoisonné, parapluie sarbacane, détonateur de lettres piégées, canne truquée, lessive explosive, et bien d'autres. Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler?
La personne qui utilise cet appareil pique la personne visée. Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité? Tout à fait. Mais j'éviterai quand même de toucher l'extrémité au cas où. Il y avait aussi une aiguille contenue dans ce qui ressemblait à une pompe à vélo. En gros, vous avez dans les mains une pompe à vélo. Vous pouvez la faire coulisser pour sortir l'aiguille. Le même système existait dans des cannes ou des parapluies. Il y avait plusieurs façons de maquiller l'ensemble. Et à quoi servait la canne ? Il y avait deux modèles. Le premier était une canne qui dissimulait une aiguille sur le bout. Le deuxième était une canne qui pouvait tirer une petite balle. Une balle en polycarbone qui était percée de nombreux petits trous, ce qui permettait d'y loger des substances toxiques. À très courte distance, l'idée était de pouvoir tirer dans la jambe de quelqu'un. Il y avait aussi deux paquets de lessive homo qui avaient un mécanisme explosif à l'intérieur. Donc, il y avait deux paquets de lessive homo avec les explosifs déjà à l'intérieur. Oui. Les paquets contenaient des explosifs amorcés et prêts. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida.